naît et grandir autour des chevaux. Ça paraît fascinant, n'est-ce pas? Shelina Bungeon, une étudiante de 18 ans, nous explique comment elle a créé une balance entre ses études et sa passion, qui n'est d'autre que l'équitation. Bonjour, je m'appelle Shelina Bungeon, j'ai 18 ans. J'habite à Côte d'Or, je suis étudiante et l'équitation, c'est ma passion. Ses parents, qui sont les propriétaires du centre équestre de Riambel, qui existe même avant la naissance de Shelina, soit 21 ans de cela, où le centre a démarré avec un cheval. Au fil des années, le club a grandi petit à petit pour permettre aux Mauriciens de découvrir les bienfaits de l'équitation et en même temps donner une seconde vie aux retraités de course. Aujourd'hui, le centre a 19 chevaux, donc 5 poneys, et fait partie de la Fédération d'équitation mauricienne. Vous connaissez tous le proverbe qui dit « telle mère, telle fille », n'est-ce pas? Shelina est l'exemple parfait de cela, car selon elle, son inspiration principale pour les chevaux vient de sa mère. Mon inspiration vient essentiellement de ma mère. C'est elle qui m'a un peu donné cet amour pour les chevaux et pour les animaux. Et depuis toute jeune, j'ai grandi autour des chevaux et autour des animaux, et c'est ça qui m'a fait aimer l'équitation. Le cheval est un animal très sensible, capable de percevoir nos intentions et nos émotions. Il analyse notre voix, nos attitudes et nos gestes et sont capables de les décoder en un instant. À l'âge de 14 ans, Shelina a fait face à une tragédie. Elle a perdu son père. Elle nous explique comment l'équitation l'a aidée à surmonter cette phase sombre et douloureuse de sa vie. L'équitation, en fait, à un certain moment de ma vie, j'étais vraiment pas bien. Mon père venait de décéder, j'avais 14 ans et j'avais beaucoup de problèmes personnels. Et l'équitation m'a vraiment permis de sortir de ce trou noir et de m'évader, en fait. On sait tous que l'équitation est considérée parmi l'un des sports les plus parfaits pour lutter contre la sédentarité et aussi sortir de la routine quotidienne. Notre jeune cavalière nous confie son expérience. Quand je suis sur un cheval, j'ai l'impression de m'évader, je suis heureuse et je me sens vraiment moi-même. Les bienfaits de l'équitation, en fait, c'est que ça muscle vraiment tout le corps, on se sent déstressé et on se sent bien dans sa peau. Pour elle, l'équitation a toujours été une partie importante de son existence. À travers les chevaux, elle a développé une grande passion pour les animaux. Elle nous explique qu'après ses études supérieures, elle compte investir davantage dans sa passion pour les animaux. Comme j'ai grandi autour des chevaux et en montant en cheval, j'ai vraiment développé cet amour pour les animaux. Et ce qui m'a vraiment inspirée à vouloir faire de l'élevage et de ensuite comme si élever différents animaux pour le futur. J'ai grandi avec les chevaux. Depuis que j'ai 3 ans et demi, je monte à cheval et c'est vraiment en fait ce qui m'a aidé à comme si surmonter les épreuves de la vie, à grandir et c'est vraiment ce qui me rend heureuse. Pour rappel, le centre équestre de Riambel, dirigé par Aronima Bungeon, est ouvert à tous les Mauriciens âgés de plus de 4 ans. Il se démarque des autres clubs par son approche axée sur la découverte du cheval dans un cadre familial et rustique. Le club offre des moments de partage et de détente autour des chevaux et autres animaux. Et aussi l'apprentissage de l'équitation dans le merveilleux sud sauvage à Riambel, qui offre des moments d'évasion, de sport et d'antistress.